Ça ne suffit pas. Le texte que j'ai donné là, vous allez prendre un agneau. C'est que l'agneau qui est donné ici. Vous allez l'offrir avec un dixième de fleurs de farine. C'est écrit comme ça, vérifié. Maintenant, ces chiffres, devaient accompagner les sept jours de Pessah, les vins. Maintenant, un frère de notre église, tu sais, moi je crois que l'assemblée de Kisangani, c'est une même église à celle de Corinthiens, parce que l'assemblée de Corinthiens, c'est aussi l'assemblée des saints. On a prêché la fête aux Corinthiens. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Ce que Paul prêche ici, il explique ce que Moïse avait prêché aux enfants d'Israël. Israël dit ceci. Moïse dit ceci plutôt. Nous sommes serrés parce que nous comprenons tous ces mouvements aujourd'hui. Nous en Singapour, nous sommes tous sur les lois. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ah, oui, dans la carte, Israël n'avait pas les oreilles. Israël n'avait pas les oreilles. Là, vous serez d'accord avec moi. Israël n'avait pas les oreilles. Pour attendre Dieu. Quand Dieu parlait, il s'est caché dans des choses-là. Un jour il a osé, vous avez dit bon Moïse, il s'est remonté, nous voulons attendre Dieu, nous voulons l'écouter, il n'y a pas de problème. Israël, Israël, va se purifier trois jours. Personne ne s'approche de sa femme. Il enlève vêtements. Qui s'approche? Il y a quand Israël s'approcha le troisième jour, Dieu est descendu. Zambakiti. Moïse s'approcha. Moi, quand il a commencé à parler, Israël lui-même s'est dit. Israël moko ami bendi. Il dit Moïse. Nous ne pouvons pas attendre. Comprendre ça. Attends ce que Dieu va dire. Il revient. C'est qu'Israël n'avait pas les oreilles. Quand Dieu parlait, il avait le vêtement. C'est pas les vêtements qui étaient attendus. Et Dieu lui avait descendu. Que personne ne s'approche ici. Mais quand Israël cherchait que quelqu'un puisse s'approcher, celui qui va s'approcher de la montagne, mais Israël dit, c'était une prophétie. Passer à aller vers la montagne, c'est accepter la mort. Retourner comme ça, c'est la résurrection. On sait qu'Israël cherchait que de l'ombre. Mais nous avons dit un homme. Quand il monte à la porte de Sinaï, le rocher se fendit. On a compris que ce sont les vrais Moïses. Moïse est mort. Il est venu avec les saints de Dieu. Je vous remercie par cet exemple pour vous montrer. Israël ne comprenait pas ce que Dieu voulait réellement dire. Ces chiffres, il ne comprenait pas. Parce que vous avez l'explication et votre adoration est complète. Et ton limite, vous êtes en train de se faire un peu de temps.
d'accord? Amen. Lokani. Retournons ici. Dozonga awa. Faut pas craindre ces chiffres. Je vais expliquer ça très simplement. Parce que j'ai dit que le ministère, c'est l'explication des choses difficiles. Amen. Si le ministre n'est pas capable d'expliquer les choses faciles avant d'aller avant. Si quelqu'un dit. Leur niveau est petit. Ce qui va très bien, c'est un niveau qui est bas. Et ça, yonde, vous en avez. Le ministre doit être capable d'expliquer Dieu, même au sein. Bon, mon sens, on va dire que l'imbo, l'ensemble, il n'y a pas de bateau besoin. Quel est censé? Attends, il n'y a pas de bateau. Un docteur, c'est pour les essentiels. Et moi, pas de bateau. Mais le docteur ne doit pas compliquer l'enseignement. C'est moi, c'est ma casse. Le prophète ne doit pas compliquer les choses. Parce que le prophète, c'est quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière vit, c'est le prophète. C'est vrai, c'est vrai. L'apostolat, ce n'est pas crier sur des gens. L'apostolat, c'est quand Dieu a posé le fondement de la terre avec une pierre angulaire. Les femmes peuvent souffler et la terre reste debout. Évangéliste, ce n'est pas crier. Dieu était évangéliste. Quand il a marché sur l'eau, on a vu la terre. On comprend, il est évangéliste. Le docteur, ce n'est pas seulement intimider des gens. Quand le docteur parle, il met la limite. Les eaux se limitent ici. La terre ici. C'est ce que Dieu a fait dans la création. Retournons ici, vous voulez bien avec les ministères. Il dit ceci. La fête de la Pâque, on avait sauté d'autres histoires pour les gens. Je reviens petit à petit. Papa, pourquoi tous ces chiffres ici? 14 euros. Tout vient d'un agneau. C'est l'agneau qui a fait que tous ces chiffres viennent. Si on te voit taureau, ce qui va mourir, on a